now officially hand over the Eurovision Song. Le concours Eurovision de la chanson a officiellement été lancé ce mardi soir à Liverpool. Une soirée marquée par le tirage au sort des demi-finales, alors que 6 pays sont déjà assurés de disputer la finale, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Ukraine. Au total, 37 pays participeront au concours au mois de mai. Ils tenteront de succéder au groupe ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur l'année dernière à Turin. L'Ukraine n'étant pas en mesure d'accueillir l'événement à cause de la guerre, la candidature du Royaume-Uni, deuxième du dernier concours, a été retenue. Créé en 1956, le concours Eurovision de la chanson est l'émission de divertissement la plus regardée au monde, avec près de 160 millions de téléspectateurs. Il s'agit aussi de l'un des programmes les plus compliqués à réaliser et nécessite plusieurs semaines de répétition. Coup d'envoi de l'édition 2023, le 9 mai, à Liverpool.